Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette grande conférence du Louvain Global College of Law qui est co-organisée avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité. Alors, quelques mots d'abord sur le Louvain Global College. C'est un programme qui existe depuis 2016 maintenant et qui nous permet d'inviter chaque année des collègues étrangers à enseigner à nos étudiants et à participer à des activités scientifiques au sein de notre faculté. Et l'une des préoccupations de ce programme, c'est d'ouvrir les étudiants à différentes dimensions importantes du droit dans le monde contemporain. D'abord, la dimension internationale du droit qui touche cette internationalisation, elle touche toutes les matières du droit, mais aussi aux réflexions sur le rôle du droit dans les sociétés contemporaines. Hein, il est important de montrer aux étudiants que le droit n'est pas une matière déconnectée des grands enjeux de société, mais au contraire, est en interaction avec les évolutions, les transformations, les crises qui traversent nos sociétés. Et enfin, il s'agit aussi de sensibiliser les étudiants aux approches interdisciplinaires du droit, au croisement entre le droit et d'autres disciplines, qu'il s'agisse de la philosophie, de la sociologie, de l'économie ou d'autres. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui, « Que fait la pandémie au droit et que révèle-t-elle du monde ?» Le thème de cette conférence rejoint très certainement ces trois préoccupations. La pandémie de COVID-19 est un phénomène international, global, qui affecte au même moment tous les pays du monde, toutes les populations du monde. Et même s'il y a des situations très différentes d'un pays à l'autre, on retrouve les mêmes dilemmes, les mêmes débats sur les réponses à apporter à la crise, sur la façon de concilier mesures sanitaires et respect des libertés. Mais surtout, cette crise que nous traversons, c'est une crise qui interroge profondément le droit, le rôle du droit, le rôle du droit des institutions juridiques au niveau national comme au niveau européen et au niveau international. La gestion de l'épidémie, on l'observe tous les jours, elle met nos démocraties à l'épreuve. La liberté d'avoir des libertés aussi simples que celle d'avoir des activités sociales et culturelles, la liberté de circuler se retrouve en tension avec le droit à la vie, le droit à la santé, surtout des personnes les plus vulnérables. D'un autre côté, face au sentiment d'urgence et de danger vital, les règles démocratiques de prise de décision sont un peu malmenées. Au sein de l'Union européenne, une règle aussi fondamentale que la liberté de circulation est temporairement remise en cause. C'est de tout cela et d'autres choses que nous allons parler ce soir avec nos trois invités prestigieux. Je passe maintenant la parole à mon collègue Antoine Masson qui va vous présenter nos intervenants et vous expliquer le déroulement de la conférence. Antoine, votre micro. Voilà, donc bonjour à tous. Nous avions fait un petit gage avant de commencer, donc j'ai gagné. Voilà, donc je vous... Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc je m'adresse à vous qui nous suivez sur YouTube. En fait, pour participer, vous devez vous inscrire sur YouTube. C'est gratuit. Et une fois que vous êtes inscrit sur YouTube, vous devez poser vos questions par écrit. Les questions seront lues pendant les présentations. Et Julie Ringelheim rapportera vos questions après dans la discussion. Alors, je suis vraiment très heureux de pouvoir introduire ce débat qui a lieu donc dans le cadre de l'invitation de Peggy Larieux durant une semaine à l'école de criminologie. Donc, je vous dis quand même que moi, je suis avant tout psychiatre et clinicien, donc je sais un petit peu ce que la pandémie fait aux subjectivités, fait à nos patients, fait à tout le monde, les manières de se dire bonjour, les premières questions qu'on se pose, qui sont habituellement, voilà, quel temps il fait, maintenant c'est quel chiffre, à combien on est, la question de savoir, et la santé, maintenant c'est est-ce que tu es vacciné, est-ce que tu es tombé malade, la question de, et la famille, c'est est-ce que la connexion a marché quand on a vu les enfants, voilà, il y a plein de choses, mais aujourd'hui quand même ce sur quoi nous allons nous concentrer, et qui est une question tout à fait originale, c'est que la pandémie, elle fait aussi des choses au droit,
et à nos juristes qui sont quand même mis à l'épreuve de pouvoir nous présenter quelque chose de cohérent. Et nous, nous faisons quand même l'épreuve de ne jamais avoir été autant soumis à des mesures que nous comprenons plus ou moins et qui peuvent changer. En tout cas, ça a été le cas en Belgique. Il y a eu un certain vendredi où les mesures ont changé 3 fois sur la journée entre le fédéral, les communautés, les régions, etc., etc. Alors, le débat va se passer de la manière suivante. Nous l'avons organisé de manière très structurée. Donc, il y aura 2 questions. On posera d'abord la première, ensuite la seconde, et chacun de nos invités aura l'occasion de déployer quelque chose à partir de son point de vue sur ces questions. La première question portera sur l'actualité et sur la manière de réagir à la pandémie, et la deuxième sur les perspectives d'avenir, sur ce que l'on peut attendre du droit dans ce monde. Alors, je vous présente les invités. Donc, je vais commencer par Peggy Larieux, qui est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université d'Aix-Marseille. Alors, ses recherches portent sur les liens que le droit entretient avec les autres disciplines. Elle est auteure d'une thèse sur la vie politique saisie par le droit privé et de différents travaux consacrés à la médiation. Elle travaille depuis 5 ans sur les sciences du cerveau et leur possible application dans le système judiciaire. Mais ce n'est pas tout. Si on lit les titres de ses livres, un de ses livres, c'est « Les mythes grecs et le droit ». Le retour sur la fonction anthropologique du droit, donc il y a aussi des liens avec la littérature et les fondements anthropologiques. Un livre sur neurosciences et droit pénal, le cerveau dans le prétoire. Et parmi les articles prennent un peu cette thématique, mais d'autres encore, puisqu'il y a un article sur le mythe de Médée à la lumière du droit. Mais le livre qui est le plus en rapport avec le débat aujourd'hui, c'est un livre que Peggy Larieux a coordonné, qui est « Vivre sans, que reste-t-il de notre monde ?» Alors, la table des matières de ce livre dit déjà beaucoup de choses. « Vivre sans progrès » de Michel Maffezoli, « Vivre sans résister » de Jean-Michel Besnier, « Vivre sans esprit » de Roland Gori, « Vivre sans limite » de Jean-Pierre Lebrun, « Vivre sans droit » de François Haust, « Vivre sans ombre » de Peggy Larieux, « Vivre sans beauté » de Christian Gaudin, « Vivre sans finance » de Renaud Vignès et « Vivre sans lieu » d'Hervé Fischer. Et j'aurais envie d'ajouter « Vivre sans horizon, sans contact, sans perspective ». Voilà, ça c'est pour notre premier invité, Peggy Larieux. Notre seconde invitée est Anne-Emmanuelle Bourgault, qui est constitutionnaliste, mais qui est aussi très, très intervenante, très engagée, et très engagée depuis longtemps dans le droit des femmes. Elle est professeure de droit public à l'Université de Mons ULB. Elle est spécialiste de la démocratie, du système électoral, de la citoyenneté. Elle intervient beaucoup dans le débat public et promeut vraiment quelque chose de l'ordre de la participation. Alors, elle anime à l'UMONS un laboratoire juridique d'observation du droit qu'elle a créé l'an dernier lors du premier confinement et dans le cadre duquel, avec les étudiants, elle suit et analyse les mesures prises en réponse à la crise du Covid. Alors, je ne vais pas vous citer toutes ces contributions, principalement dans les journaux, dans les articles, dans les revues, mais je vous donne quelques titres. Hein. Crise, guerre et démocratie, la Covid de la base, le Covid du sommet, ou bien le Covid-19 crash test pour la démocratie belge. Donc, nous verrons si cette démocratie a réussi et de quelle manière ce crash test. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Alberto Alemano de l'HES à Paris, qui est professeur Jean Monnet en droit et politique de l'Union européenne et l'une des principales voies en matière de démocratisation de l'Union européenne. Donc, ces études sont centrées sur la manière dont le droit peut être utilisé pour améliorer la vie des gens,
en particulier l'adoption de réformes de transfert de pouvoir qui combattent les inégalités sociales, économiques et politiques au sein des sociétés européennes et au-delà. Alors, il a beaucoup écrit sur la réglementation des risques, la santé publique, les droits des consommateurs, la politique alimentaire, la démocratie participative. Donc, vous voyez vraiment que tous ces thèmes, en fait, sont mis à l'épreuve par la situation contemporaine, et il aura certainement beaucoup de choses à nous dire sur cela. Il écrit, il contribue également beaucoup dans les journaux, Le Monde, Le Guardian, Bloomberg, Politico Europe, Le Grand Continent. Il intervient sur Euronews, France 24. Donc, il est un symbole quand même de la participation politique par ses propres activités. Je leur laisserai aussi le soin de présenter d'autres éléments les concernant que j'aurais pu oublier. J'en ai certainement oublié parce qu'il est impossible d'être exhaustif. Alors, la première question que nous allons poser à chacun de nos invités est une question assez simple. La réponse, à mon avis, est plus complexe et peut être plus laborieuse. Donc, cette question, c'est: quels sont les effets de la pandémie et les aspects de sa gestion par les autorités qui vous frappent le plus à partir de votre domaine d'expertise? Je propose de donner la parole dans l'ordre en fonction de la manière dont j'ai présenté les orateurs. Donc, je cède la parole à Peggy Larieux. Merci beaucoup, Antoine. Merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord, je voudrais dire l'honneur qui est le mien d'être ici parmi vous. Et je voudrais remercier les différents organisateurs de cette conférence et de cette invitation en tant que fellow pour la semaine à Louvain-la-Neuve. Je vais vous parler donc d'un thème sur lequel j'ai travaillé depuis l'an dernier à travers cet ouvrage collectif qui s'intitule « Un monde sans ombre ». Et je voudrais faire une petite précision, c'est que en France, nous avons été confinés il y a exactement un an, à savoir le 16 mars 2020. Et nous avons lancé l'idée de cet ouvrage collectif le jour même. Et nous l'avons rédigé assez rapidement, je dois dire, en 2 mois. Et il a été publié en septembre 2020. Et aujourd'hui, un an plus tard, où en sommes-nous? C'est un peu la question que je vais essayer à laquelle je vais essayer de répondre. Alors, outre l'état de sidération qu'elle a provoqué, cette pandémie, me semble-t-il, a mis en lumière les différentes failles existantes dans nos sociétés, à commencer par la fragilité de nos systèmes de santé, les effets pervers de la mondialisation, du tout économique, l'impréparation de l'État, la lourdeur de notre administration bureaucratique, etc. Nos sociétés ont en quelque sorte été démasquées. Et en cela, le coronavirus peut apparaître comme un révélateur. Un révélateur au sens de précipité chimique. Il est le grand éclaireur. Mais il n'est pas que cela. Il est aussi un accélérateur de tendance. Tendance à la digitalisation, à l'ubérisation, à la numérisation de nos sociétés. Au point que certains parlent aujourd'hui de dictature numérique. On peut y voir en quelque sorte un évolutionnisme à marche forcée. Parmi ces tendances, la pandémie a eu pour conséquence, à mon avis regrettable, d'accélérer le mouvement de grand blanchiment au nom de l'impératif de transparence. Nous vivons incontestablement dans une société de la transparence. La multiplication des réseaux sociaux, le recueil des données personnelles, la banalisation de la vidéosurveillance, les outils de reconnaissance faciale, la géolocalisation des utilisateurs d'Internet et même le développement de l'imagerie cérébrale, son utilisation dans le domaine de la justice pénale. C'est le thème que j'ai développé hier soir. Tout ceci participe d'une mise en visibilité de toutes les zones d'ombre au nom
de la démocratie, de la sécurité et désormais de la santé publique. Mais insensiblement, tout cet arsenal transforme nos sociétés en sociétés de défiance. Avec la lutte contre la pandémie, le mouvement s'accélère. Sommés de protéger ce bien commun que constitue la santé, peu de dirigeants politiques résistent à la tentation d'instaurer une surveillance permanente et généralisée, digne d'un régime autoritaire. L'idéologie de la transparence a trouvé là son accélérateur viral. Cela étant, cette volonté de rendre le monde transparent est une exigence de la modernité qui est d'emblée vouée à l'échec, car elle revient à nier l'ambivalence comme élément constitutif du monde, ainsi que l'aléatoire de la condition humaine. Faire de la lumière où il n'y en a pas ne produit pas plus de visibilité, mais déplace seulement le projecteur. Aussi, toute prétention à la certitude et à la transparence risque de n'être qu'un alibi pour le développement de politiques sécuritaires. Cette transparence devenue diktat participe également du rejet du négatif sous l'apparence de l'ombre. Car l'ombre n'est pas seulement un espace privé de lumière qui serait caché, secret, occulte, obscur. L'ombre est aussi l'image projetée d'un corps, son négatif, comme on parle du négatif d'une photo. Or, le discours ambiant ne cesse aujourd'hui de scander à nos oreilles son aspiration au tout positif. On assiste de toutes parts à une montée en puissance de l'utopie prophylactique qui vise à blanchir la société, à pourchasser le négatif sous ses différentes formes, à ne laisser rayonner que les valeurs positives dans l'espoir de voir triompher le bien. Comme si l'élimination du mal, du négatif, était à notre portée. Au fond, ce qu'on vise, c'est un monde parfait. Mais la recherche de la perfection, d'après Jean Baudrillard, est un crime contre l'humanité. Le négatif est un invariant et vouloir en faire l'économie est non seulement utopique, mais expose également nos sociétés à un énorme manque. Lorsqu'il est dénié, refoulé, il ne peut que ressurgir autrement, de manière incontrôlée, sournoise, voire perverse. Le droit lui-même ne sait plus où donner de la tête et se laisse absorber par cette entreprise de grand blanchiment consistant à refouler le négatif, à faire comme s'il n'existait pas. En finir avec la part maudite ou la part de l'ombre, la part maudite ou la part de l'ombre, ce sont des expressions qui sont synonymes. En finir avec la part maudite a toujours été le souci de nos sociétés dans l'histoire. Mais la spécificité de notre époque, c'est que les sociétés utilisent aujourd'hui toutes les ressources de la technique et de la science. Il s'agit là, me semble-t-il, d'un travers de la civilisation, de tout vouloir maîtriser, jusqu'aux moindres aléas de l'existence quotidienne. Or, vouloir tout maîtriser en tout temps et en tout lieu est non seulement impossible techniquement, mais surtout contraire à notre tradition philosophique qui repose sur le caractère indéterminé du futur. Et à vouloir tout juridiciser, nous finissons par oublier l'essentiel de la démocratie qui n'est pas le droit, mais le non-droit, la liberté. Tout manque aujourd'hui doit désormais être comblé, tout intervalle doit être rempli, et tout cela se paye par une prolifération législative censée combler tous les vides juridiques pour assurer notre confort, notre bien-être,
notre santé, notre sommeil. Mais c'est un sommeil sans nuit. Le droit n'est plus alors limite, il devient la totalité. De lien entre les hommes, il se transforme en ligature. C'est le contexte. La pandémie liée au coronavirus n'a fait qu'accentuer cette folie normative au nom de l'obsession sanitaire qui s'est emparée de nos sociétés de la peur. Suscitant un retour en force du droit, qui s'est traduit par une avalanche de textes qui n'ont même pas valeur législative pour la plupart. Décrets, ordonnances, cette pandémie a produit un excès de droit susceptible d'aboutir à sa dénaturation. La rhétorique de la sécurité, et aujourd'hui celle de la santé publique, justifie une restriction de nos libertés. Sous-entendu, la sécurité, la santé, serait la première des libertés. Après la suspension d'une partie substantielle de nos libertés publiques, telles que les libertés d'aller et venir, de réunion, de manifestation, d'entreprendre, de mener une vie familiale normale, pour d'impératives raisons sanitaires, est tout à fait légitime. C'est notre espace d'intimité qui se réduit de manière drastique suite à la mise en place de procédures autoritaires, de dispositifs de surveillance qui reposent sur le numérique. Qu'il s'agisse de l'application Stop Covid, du fichage des données de santé, de leur manipulation par les autorités sanitaires, et demain du passeport vaccinal, source de discrimination et d'inégalité, on peut à tout le moins redouter certaines dérives. Car comment déterminer aujourd'hui la durée de conservation des données alors que celle de l'épidémie reste incertaine? Comment garantir la destruction effective de ces données au-delà de la durée de conservation prévue? Et surtout, comment éviter que nos concitoyens ne finissent par se prêter de bonne grâce à toutes ces mesures? Il est vrai que la peur du risque, tant au niveau individuel que collectif, est une constante de l'espèce humaine. Et cette peur s'est accentuée avec le temps. La peur de la COVID s'est désormais ajoutée à celle du terrorisme et de l'insécurité. Mais on retrouve toujours la même rhétorique de la guerre, énoncée à plusieurs reprises par le président de la République française, avec en contrepoint la dialectique ami-ennemi et le rejet de l'ennemi. L'ennemi, aujourd'hui, c'est le virus. Il est d'autant plus dangereux qu'il est silencieux et invisible. Face à cette menace, il faut faire bloc, il faut s'unir. L'union nationale est érigée en bien suprême. Face à cette guerre sanitaire, on utilise la stratégie de la peur. C'est ce que le philosophe italien Giorgio Agamben appelle le gouvernement par la peur. Le gouvernement par la peur, je cite, consiste à utiliser l'état d'urgence pour transformer le pays en une gigantesque prison sous surveillance électronique. Dans un cercle vicieux et pervers, la limitation de liberté imposée par les gouvernements est accepté au nom d'un désir de sécurité qui a été induit par ces mêmes gouvernements qui interviennent maintenant pour le satisfaire. Ce type d'aliénation se produit avec la complicité des sujets qui ont si bien intériorisé les normes et leurs objectifs qu'ils deviennent eux-mêmes les agents de leur mise en œuvre. Alors, je pense qu'il faut que nous restions vigilants.
l'imprévisibilité des dangers qui nous entourent, le sentiment d'insécurité croissant ne doivent pas conduire à une propagation de la peur et à l'illusion qu'il existe un moyen technologique d'abolir le hasard et de prévenir les menaces. C'est l'illusion de la certitude, de l'objectivité et du tout traçable. Et je signale que le terme de traçabilité date d'une loi de 1998 en France sur la responsabilité des produits défectueux. L'être humain devenu traçable serait-il assimilé à un produit défectueux? Dans un monde où l'on ne parle plus que de gestion des risques, tout se passe comme si le gouvernement des hommes était remplacé par l'administration des choses. Le plein des choses est censé pouvoir évacuer la négativité de la condition humaine. Mais lorsqu'une société, à force de prophylaxie, d'orthopédie, d'extermination de toutes parts maudites, ne veut plus avoir affaire qu'à la gestion et au calcul, lorsqu'une société devient intolérante à toutes les figures de l'ombre, le spectre de la déshumanisation refait surface. Car à vouloir traquer toutes les zones d'ombre et instaurer une transparence intégrale, on peut se diriger vers une société totalitaire dans laquelle rien n'échappe plus à la visée sécuritaire. Je vous remercie. Voilà, donc merci beaucoup, Peggy Larrieux, pour ce propos qui montre vraiment comment, face au péril de tous les comblements des vides juridiques, face au blanchiment et au gouvernement par la peur, il s'agit de... On est devant le défi, en fait, hein, de préserver l'ombre, d'ouvrir les fenêtres et de pouvoir encore respirer, d'avoir de l'air. Bien, donc maintenant, je passe la parole à Anne-Emmanuelle Bourgault avec la même question. Hein, quels sont les effets de la pandémie et les aspects de sa gestion par les autorités qui vous frappent le plus dans votre domaine d'expertise? Oui, merci beaucoup. Et d'abord, un grand merci de m'inviter. C'est vraiment super quoi, de pouvoir être invitée comme ça dans une autre université belge francophone. Comme il a été dit, en fait, je mène avec mes étudiants à Mons une expérience, le Labo Virus, c'est-à-dire qu'on se réunit chaque semaine. D'ailleurs, je dois vous dire que normalement, c'est le mardi soir. Et donc, du coup, on a déplacé notre Labo Virus pour que je puisse venir à cette conférence. Et je ne sais pas si finalement, évidemment, je les ai invités à cette conférence, je ne sais pas s'ils sont là, et s'ils sont là, je les salue. Mais donc, ça, chaque semaine, on observe le droit, si vous voulez. C'est vraiment cette idée que, bon, bah, on ne doit pas se laisser faire et on doit être des juristes en alerte, ce qui est une manière aussi de... au fond, de ne pas se soumettre après cet effarement ou cette consternation dont la précédente oratrice a parlé. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu constater? Alors, ma réflexion, elle est assez belgo-belge, elle est un peu Astérix et Obélix et Gaulois, vous voyez, ça concerne le village. Après, je pense que de fait, il y a sans doute des traits communs entre tous les pays, en tout cas les pays occidentaux. La première observation qu'on a faite, nous, c'est que cette pyramide juridique hein, dont on abreuve nos étudiants, ben, en fait, elle résiste très mal. Hein. La pyramide juridique belge, en tout cas, mais je pense que ça vaut pour nos voisins, en fait, elle résiste très mal à la gestion de crise Covid-19. On devrait prendre des leçons chez les Égyptiens parce que franchement, quand on voit comme la pyramide de Khéops tient bien, la nôtre, alors là, elle est d'une friabilité terrible parce qu'en tout cas, en Belgique, toute la gestion depuis un an, et nous aussi, hein, en Belgique, en fait, c'est pas un hasard, parce que nous, on est très, les Belges, on est très à regarder ce qui se passe en France. Il y a certaines mauvaises langues qui disent, en fait, on décide pas tellement le monde politique belge, on suit ce que fait la France, ou en tout cas, ça a été très vrai pour le premier confinement, peut-être moins maintenant. Mais donc, nous aussi, en fait, un an de confinement, semi-confinement, reconfinement, déconfinement. Et ce qu'on observe, c'est que toute la gestion de crise est faite par arrêté ministériel. Alors, on est dans des facultés
faculté de droit. Ici, on sait bien que l'arrêté ministériel, même pas d'arrêté royaux, alors ça fait rire toujours les Français, les arrêtés royaux, ça fait tellement désuet. Mais donc, c'est même pas les arrêtés royaux, c'est un arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur. Et donc, nous, toutes ces mesures-là qui nous impactent terriblement, le couvre-feu, la liberté d'aller venir, la bulle, ça c'est aussi une spécialité belgo-belge qui n'existe pas en France, hein. La bulle, tout ça, ça a été décidé par arrêté ministériel. On en est, alors avec les étudiants, on a l'impression qu'on en a loupé un, on ne sait pas si c'est 35 ou 36, mais on est autour de 35 arrêtés ministériels depuis un an. Et si vous comptez, ça fait une moyenne d'un arrêté ministériel par tous les 10 jours. Ce qui est évidemment beaucoup, ça veut dire que les règles changent beaucoup, ce qui pose évidemment des questions pour pouvoir les suivre. Et donc ça, ces arrêtés ministériels, ce règne de l'arrêté, c'est vraiment frappant que il s'est imposé, alors que normalement dans la Constitution belge, bah écoutez, c'est le règne de la légalité. Donc on glisse, si vous voulez, du règne de la légalité au règne de l'arrêté. Ça s'est fait comme ça, en fait, de manière assez, à mon avis, stupéfiante. Pour le coup, la stupéfaction du début s'est prolongée sur le plan juridique, parce que au départ, si vous voulez, dans l'urgence, qu'on ait utilisé ce qui est quand même en fait le bas du panier des normes juridiques, un arrêté ministériel du ministère du ministre de l'Intérieur, excusez-moi, mais franchement, c'est vraiment le fin fond du panier en termes de garantie procédurale, de qualité démocratique. Et donc, si vous voulez, ce qui est assez étonnant, c'est que au départ, dans l'urgence, quand on était stupéfait, bon, on peut peut-être comprendre, mais chez nous, ça se prolonge, ça dure, puisque ça fait un an, on en est au 35e arrêté ministériel et on est toujours là-dessus. Alors, il y a, ça c'est notre actualité belge, il y a une loi pandémie, enfin, alléluia, Noël, hourra, hourra, qui a été déposée devant le Parlement belge, un avant-projet de loi par la ministre de l'Intérieur qui est actuellement en discussion, et ça, personnellement, je pense que c'est vraiment, mais alors, ce qui pouvait nous arriver de mieux, c'est qu'enfin on discute et que les parlementaires discutent et que les parlementaires se saisissent de la matière. Est-ce qu'il est suffisant? Je ne le pense pas, mais je ne vais peut-être pas me lancer dans ce débat et je répondrai à des questions s'il y en a. Mais ce qui est certain, c'est que donc, ce qui résiste très mal et ce qui est une de nos constatations en un an, c'est que cette pyramide-là, ben, elle a eu tendance à s'inverser sous le coup de cette crise Covid-19. La deuxième chose qu'on peut dire et qu'on observe, c'est le recul du droit. Moi, je suis vraiment, vraiment effrayée de voir à quel point le droit résiste mal. Ce grand projet, ce beau projet qui est le nôtre, à la fois au sein de l'Union européenne et alors au sein du Conseil de l'Europe, de créer des États gouvernés par ce principe de la démocratie par le droit. Et pour donner aussi le cours d'histoire du droit, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, le droit, il a ça de merveilleux que c'est cette promesse qu'on va plus régler la vie en nos lance-pierres, enfin toutes ces armes, on va les reléguer au vestiaire et on va se gouverner ensemble, la collectivité, par des textes et par des textes juridiques. Eh bien ça, ce droit, et c'est ma deuxième constatation, et franchement, excusez-moi, parfois j'ai l'impression que c'est le fardeau à observer aussi depuis un an, c'est que ceux qui résistent mal, alors qu'on l'appelle l'état de droit, la démocratie ou les droits et libertés, parce que je pense que quand même ces trois concepts sont intimement liés, bien ça résiste très mal. Et en particulier la sphère, ça c'est certain, de nos droits et libertés, qui sont donc mises sous pression par des arrêtés ministériels du ministre de l'Intérieur, eh bien cette sphère, je pense vraiment qu'elle a mal résisté, notamment peut-être ce concept de bulle qui est vraiment propre à la Belgique, mais qui donc signifie que dans sa dimension, alors le mot a été dit, je pense que je vais le reprendre, mais cette tendance et ces dérives autoritaires, ça signifie qu'on réglemente qui on voit dans l'intime. Ça, quand on y réfléchit, eh bien en tout cas moi, je pense que personne n'aurait pu, il y a un an, dire, ben, vous savez, finalement, dans quelques mois, là, pas de problème, police, venir vérifier chez vous. Donc, il y a eu un basculement qui est manifeste, vu que là, les moyens, notamment les moyens de répression, se sont accentués, les foyers.
À la Noël, on se demandait, tiens, au fond, est-ce que finalement la police peut pénétrer nos domiciles pour vérifier combien on était autour de la table ? À la Noël, c'est de ça dont on a parlé et on a tous été au courant des affaires où ben, précisément des policiers ont été vérifiés combien on était, à qui on donnait des bisous, ben, presque en fait, hein, oui, on en est là, ça... Excusez-moi, alors que ça relève quand même de nos droits et libertés les plus, non seulement les plus intimes, mais les plus pressants, ça montre, me semble-t-il, à quel point, c'est, au fond, ces droits et libertés, à la fois l'état de droit, l'état de droit, c'est aussi la capacité d'un État et d'autorité et d'une collectivité à soumettre au droit, mais c'est aussi, évidemment, le respect des droits et libertés. Et bien, dans ces deux aspects, je trouve personnellement que la Belgique a mal résisté. Et depuis un an, on constate donc cette politique pénale qui accompagne les mesures Covid-19, toujours, encore une fois, sans délibération parlementaire, sans que ce soit nos représentants qui aient décidé cela, ou en tout cas formellement, sans qu'une loi ait été votée, nous, on a observé qu'elle est de plus en plus pressante. Donc, il y a de plus en plus de comportements qui font l'objet d'infractions pénales. Les moyens mis en œuvre pour rechercher ces infractions sont de plus en plus pressants. Et en conséquence, écoutez, presque sans surprise, en fait, le nombre d'infractions Covid-19 sont, excusez-moi, mais tout à fait interpellantes. Les derniers chiffres viennent de sortir. Il y a plus de 200 000 dossiers Covid-19. Donc, ça veut dire qu'un Belge sur 50 serait un Covid-délinquant. Personnellement, moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a une part qui s'explique aussi, notamment par l'opacité des règles. Donc, ça veut dire qu'on est passé alors vraiment à une dimension répressive de la gestion du Covid-19 qui est problématique, à mon avis, d'autant plus problématique qu'elle n'a pas fait l'objet d'un débat parlementaire et qui, en plus, parce que tout est dans tout, à la fois parce que la pyramide juridique est sur sa tête, à la fois parce qu'il y a un recul du droit et à la fois parce que les droits et libertés et les principes élémentaire, à mon avis, en démocratie résiste mal, eh bien, on en aboutit à une dimension punitive et répressive qui est tout à fait problématique. Un exemple parmi d'autres, pour avoir de nouveau suivi l'évolution des règles, franchement, être un citoyen Covid-19 vertueux est extrêmement compliqué quand vous avez des règles qui changent tout le temps, des règles qui sont éparpillées parce que les normes fluctuent et qu'il y a en plus une abondance, on en a parlé, de protocoles, de circulaires, etc. Alors qu'en bout de course, il y a potentiellement des poursuites et une répression pénale. Ça, écoutez, franchement, il ne faut pas être juriste pour voir qu'il y a un problème. Si vous avez des normes qui sont de plus en plus nombreux, des normes qui sont de moins en moins claires, mais une poursuite répressive qui, elle, demande une grande exigence de la part qui est très sévère vis-à-vis des citoyens. Mais écoutez, franchement, de fait, on ne peut que constater le malaise. Voilà, j'en termine là pour cette première partie, en espérant ne pas avoir été trop longue, parce que je m'en voudrais de manger le temps de parole à mes collègues. Voilà, donc merci beaucoup à Emmanuel Bourgaud pour ce propos engagé et très vivant et qui nous a introduit à une série de différences, hein, parce que après avoir parlé du droit, de tous les comblements des vides juridiques, il me semble que vous nous avez montré que quand le droit est partout, il n'est nulle part et que la pyramide est à l'envers et que d'une certaine façon, alors on assiste à l'alternance entre la bulle de laquelle on ne peut pas sortir, mais dans laquelle rentre le pouvoir pour nous surveiller, et la prolifération d'arrêts sans arrêt qui se dissolvent dans le règne de la légalité, donc dans une sorte de brouillard de pandémie, comme parlait Christian Salmon en parlant aussi du brouillard de guerre, et qui montre bien que la prolifération des règles, ça laisse le terrain à la politique pénale et que la prolifération des règles, ce n'est pas le droit qui fonctionne quand même avec des limites et des arrêtes. Voilà, mais donc ça promet vraiment des débats très intéressants. Donc je vais donner la parole à Alberto Alemano qui va un petit peu nous parler comment lui résout cette quadrature entre la participation, la protection du risque et tous ces centres d'intérêt
Voilà, je lui cède la parole et je le remercie déjà. Merci, merci, merci Antoine. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de me joindre à vous, de participer à une conférence. Ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas cette possibilité. J'hésite si répondre à mes collègues. J'ai suivi leurs points, leurs réflexions super intéressantes qui ont provoqué toute une série de réactions, ou si suivre mes commentaires que j'avais préparés. Je pense que c'est plus sage de commencer avec les commentaires et ensuite on aura la possibilité de revenir sur certains points lors du prochain échange. Mon regard sur la pandémie passe par les prismes de ma discipline, à savoir les droits européens. Et également, comme tu l'as anticipé, Antoine, les droits de la régulation du risque, à savoir la discipline qui regarde à comment les autorités adoptent des mesures en situation d'incertitude scientifique. La plupart des temps, nous ne disposons pas de toutes les données scientifiques. Mais la conjoncture des deux disciplines m'amène à regarder à l'Europe comme un cas d'étude très intéressant de ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, ce qui ne s'est pas produit, et comment les droits européens finalement a tenu ou n'a pas tenu ses promesses. Évidemment, c'est un regard critique par sa nature même, mais également, il faut souligner la spécificité de l'Europe et il faut quand même dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'intégration européenne où les citoyens européens ont commencé à regarder à l'Europe comme l'entité qui était censée donner des réponses à leurs problèmes quotidiens, ce qui ne s'était pas produit de la même manière avant. Et d'ici le débat public complexe et plutôt désinformé auquel nous assistons aujourd'hui. Je veux également rajouter une dimension qui est la dimension plus personnelle en tant que citoyen européen qui observe les droits exactement comme Anne-Emmanuel. Avec les droits, j'observe les droits avec les droits, ce qui est un privilège. Mais en tant que citoyen européen qui est italien de naissance, mais qui enseigne à Paris, qui travaille à Bruxelles la plupart du temps et qui habite en Espagne. Donc, je ne vous cache pas que ma vie a changé, au moins superficiellement. Je ne me déplace plus. Mais en réalité, ma vie n'a pas changé parce que même si les frontières sont fermées, j'ai continué à mener exactement la même vie. J'ai produit les mêmes réflexions, je donne cours à mes étudiants, à mes étudiantes, et donc finalement j'assiste à un phénomène très intéressant auquel vous êtes également, dont vous êtes également partie, qui est un phénomène de délocalisation. Tous nos contacts que nous avons dans le monde finalement sont si près que notre voisin. Et donc finalement tout le monde est en train d'avoir la même conversation. Ça également c'est assez inédit, c'est quelque chose qui ne s'était pas produit ni au niveau européen, comme j'ai déjà souligné, ni au niveau global. C'est quand même intéressant de vivre dans ces mondes, nonobstant les difficultés que nous avons, et je partage les préoccupations des Peggy et des Anne-Emmanuel par rapport au rôle, et notamment à la façon dans laquelle les autorités ont imposé des mesures, souvent qui n'étaient pas justifiées, souvent qui n'étaient pas proportionnées. Et donc, j'offre de regarder un petit peu à ce qui s'est passé en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé au droit européen? Qu'est-ce qui s'est passé aux politiques qui finalement définissent la qualité de nos vies et nos opportunités? Bon, tout d'abord, nous avons assisté au blocage du marché intérieur qui produit ou qui contribue à notre économie. Nous avons vu la libre circulation des marchandises avec les masques qui ont été bloqués avec des États qui, en pleine absence des solidarités, ont bloqué l'exportation des masques là où il avait besoin. Vous vous souvenez très bien qu'il n'y avait pas besoin en Allemagne ou en France des masques, mais il y en avait besoin en Italie. Eh bien, ces masques-là ne sont pas arrivés ou ils sont arrivés un peu en retard. C'est quand même la faillite du marché intérieur. Le marché est fait pour permettre à ces produits de s'allouer de manière économiquement efficace. Ensuite, la libre circulation des personnes. Je pense que c'est Julie qui l'a anticipé. Schengen est mort, non seulement est suspendu et mort, était déjà été mis à mal suite aux attaques terroristes en Belgique et en France, mais là, c'est suspendu de manière, je dirais, permanente et non pas temporaire. Et nous avons des pays, inclus la Belgique, qui ont de facto créé des contrôles systématiques à la frontière, ce qui finalement ne revient pas à la logique
de Schengen, ce qui est disproportionné, ce qui est systématique, ce qu'en fait il ne faudrait pas voir. Donc, nous avons assisté à une certaine accélération dans l'involution de la législation avec l'introduction demain d'un passeport européen sur lequel je me suis déjà exprimé au fur des dernières semaines, un certificat qui soulève plein de questions éthiques, juridiques, morales, mais également scientifiques, parce que finalement, une vaccination ne bloque pas la transmission complètement. Les données nous démontrent exactement le contraire, même si ça la contribue à ralentir. Donc, on est en train d'attribuer des privilèges à des individus, tout simplement parce qu'ils ont reçu une vaccination ou ils ont fait un test, ou encore peut-être un aspect immunisation qui d'ailleurs a été déconseillé par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a une pression très forte, néolibérale, de la part des États qui sont destinataires du tourisme, la Grèce en premier lieu, mais également l'Espagne, un petit peu l'Italie, de parvenir à un certificat pour récupérer ce qu'on a perdu. Mais j'attire votre attention que finalement l'Europe telle qu'elle la connaît est de facto morte, à savoir si on doit montrer à la frontière qui n'existait plus un passeport dont on n'avait pas besoin, évidemment, on n'a pas plus beaucoup d'Europe. Et à nouveau, la question est celle de savoir si ces types de mesures sont des mesures temporaires ou des mesures qui sont destinées à perdurer. Et malheureusement, les signaux sont assez forts, sembleraient démontrer que ces types de transformations sont destinées à rester avec nous. Mais c'est là, ce n'est pas l'Europe que nos générations ont connue. Et évidemment, lorsque je regarde mes enfants dans les yeux, je commence à me préoccuper parce que peut-être qu'ils n'auront pas la possibilité de vivre l'Europe de la même manière que nous l'avons vécue et même choisie dans mon cas personnel. Il y a d'autres exemples que je peux mentionner, des suspensions du droit européen, les aides d'État. Tout à coup, les États membres ont été autorisés à injecter dans leur économie des sommes extraordinaires, les États riches comme l'Allemagne, un peu moins les États plus pauvres comme la France ou l'Italie, mais évidemment, cela est évidemment contraire au principe même, au fondement de l'Europe telle que la connaissons. Les pactes de stabilité et croissance, l'instrument dont les pays de la zone euro s'y sont dotés afin de coordonner leur politique budgétaire nationale et éviter l'apparition des déficits publics excessifs, a été suspendu, apparemment formellement de manière temporaire, mais on ne sait pas si on y reviendra. Certains, peut-être, pourront également se réjouir. C'est un instrument très critiqué, mais c'est quand même un pilier fondamental pour le fonctionnement de notre monnaie, de notre politique monétaire. L'état des droits, tout le monde est conscient de ce qui se passe, en Hongrie, en Pologne, en Slovénie, dans la plupart des pays européens, même si d'une manière qualitativement différente, mais nous assistons à une certaine perte des contrôles de la part de la Commission qui a de facto renoncé à exercer ses prérogatives. Donc, la réunion du Conseil qui a été prévue sur l'article 7 qui pourrait déclencher une procédure, qui pourrait déclencher des sanctions à l'encontre des pays qui sont assujettis à cette procédure, à savoir la Pologne et l'Hongrie, a été suspendue et reportée due au COVID. À savoir, c'est à nouveau une excuse que la Commission trouve pour éviter un débat qui manque parmi les États membres. Donc, le COVID ralentit également cela. La Commission a pratiquement arrêté d'introduire des procédures d'infraction pour garantir le respect des droits parmi ces États membres. C'est une tendance qui avait déjà commencé, mais qui a été accélérée. Donc, le COVID, finalement, a non seulement suspendu l'application de ces règles, mais également la mise en œuvre de ces règles et la procédure qui existe pour respecter, pour assurer le respect de ces règles avec des gagnants et avec des perdants. Parce que finalement, lorsqu'un État membre arrête d'avoir un pouvoir judiciaire indépendant ou avoir des médias indépendants, nous tous, dans les autres pays européens, nous sommes également touchés parce que nous vivons dans un espace commun, réellement commun, pour 400 millions de citoyens. Et ces effets par ricochet, ces effets indirects sont subtils, ne sont pas visibles à l'absence d'un espace politique et d'une sphère publique européenne, mais ils sont quand même existants. Et il y aura des coûts qui, à un certain moment, deviendront plus manifestes et que nous tous, nous allons payer. Nous assistons également à une révision de l'agenda politique européenne. La plupart des propositions y incluent
le Green New Deal, qui devait être le dossier le plus important, a été remanié, a été retiré, remanié et sera représenté avec tous les autres paquets législatifs en juin. Donc, nous avons une suspension de l'activité législative d'un point de vue de l'agenda politique. Nous assistons inévitablement à une recomposition de l'espace politique européen avec la sortie de Viktor Orban du Parti populaire européen, une sortie qui était due depuis très longtemps, mais qui sera capable finalement d'affecter tout l'équilibre et peut-être la majorité parlementaire sur laquelle cette commission s'effondre. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, avec des effets indirects, comme par exemple la crise que les libéraux sont en train de vivre au sein du Parlement européen, entre une composante plutôt macronienne et une composante plutôt ALDE à l'ancienne, avec un grand débat lié aux conférences sur l'avenir de l'Europe, et encore les choix de Matteo Salvini, donc un mouvement des droites qui, tout à coup, se trouve à soutenir un parti comme les partis, comme un gouvernement comme celui de Mario Draghi en Italie, qui semblerait être difficile à réconcilier avec son appartenance au parti politique européen, notamment au groupement qui s'appelle Identité et démocratie avec Marine Le Pen. Donc, pour faire court, M. Salvini est en train de gouverner en Europe avec Madame Le Pen et avec les AfD allemands, mais à Rome, il gouverne avec M. Draghi et avec les pro-européens. C'est quand même extraordinaire. Et le Covid, évidemment, ne fait que rendre encore moins lisibles ces différences entre la politique nationale et la politique européenne. Je pourrais m'entretenir encore, mais un sujet qui me touche à cœur et qui, je pense, a été mentionné indirectement par vous tous, qui est la question du rôle de la société civile et de la participation. Le Covid a de facto suspendu la participation, la proteste et les critiques que vous avez menées dans un milieu académique comme celui-ci sont autorisées. Mais si on devait se réunir dans la rue, comme souvent, comme quelquefois s'est passé en Europe pendant les derniers mois, peut-être trop peu, on sera jugé irresponsable parce que toute forme de contestation des mesures actuelles est considérée comme une attaque et au gouvernement actuel et à l'approche qui est une approche considérée comme parfaite, lorsqu'en réalité, elle s'est révélée plutôt critiquable sur la base des arguments que Peggy et Anne-Manuel ont déjà mis en avant. Donc, pour résumer mes premières réflexions, la pandémie a suspendu les droits européens, a suspendu l'Europe. L'Europe n'existe plus telle qu'on l'a connue. On ne sait pas si elle continuera à vivre, mais d'une manière beaucoup plus importante, je pense. Et on se pose la question de savoir si la formule européenne, à savoir l'interconnexion, l'interdépendance, est encore capable aujourd'hui d'assurer et d'être en source de prospérité et de sécurité pour nos citoyens. Nous avons vécu pendant les derniers mois un débat plutôt fort entre l'approche plutôt autoritaire de certains États comme la Chine et autres, une approche qui a été jugée beaucoup plus efficace dans la réponse au Covid par rapport à la nôtre. Évidemment, le Brexit et l'exemple du Royaume-Uni a accéléré ce type de débat aujourd'hui, et dans l'histoire des vaccins, a été utilisé instrumentalement pour montrer comme un État, les Royaumes-Unis ou encore Israël ou Singapour, sont beaucoup plus agiles dans leur prise de décision dans une situation de risque et ils auraient fait un mieux travail que l'Europe dans la réponse aux citoyens. C'est une question très complexe, celle de savoir si une approche transnationale aujourd'hui tiennent encore la route, est encore justifiable, ou si par contre, suite, et là j'anticipe la deuxième partie de notre conversation, si l'un des leçons qu'on devra tirer, ou du bilan qu'on devra tirer du débat actuel post-Covid, sera si ces formes d'intégration économique et politique et sociale comme l'Union européenne sont encore à la mode, sont encore justifiés, c'est encore quelque chose que les citoyens veulent ou désirent. Évidemment, le débat sera très polarisé, parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un débat où ceux qui sont pro-européens, ils sont encore davantage pro-européens, parce qu'ils voient des avantages à être ensemble. L'exemple des marchés publics qui nous ont permis d'acheter, de racheter un nombre important
quand même des vaccins qu'aucun État tout seul, notamment au centre de l'Europe, aurait pu racheter, et ceux que par contre utilisent de manière instrumentale ces moments pour dire que l'Europe finalement a été une faillite, a failli dans la gestion de cette crise. C'est une belle question, c'est une question qui nous tiendra occupés et qui est déjà centrale un peu dans le dans l'arriéré du débat actuel. Voici la première partie de mes réflexions et je serai évidemment ravi de revenir sur certains de ces points lors des prochains échanges. Voilà, donc merci beaucoup Alberto Alemano pour avoir abordé à nouveau un autre aspect. Donc vous nous dites quand même que l'Europe, c'est cette entité qui aurait été censée donner des réponses et puis ce mot fort que l'Europe est morte. Et là, je fais référence ici à ma profession de psychiatre et psychanalyste. On sait quand même que c'est quand une personne disparaît qu'on se rend compte de toutes les qualités qu'elle avait et de toute sa valeur. Et même référence au mythe de Totem et Tabou pour faire une proposition un peu saugrenue de se me demander si l'Europe va pouvoir devenir ce père mort, c'est-à-dire ce totem qui pourra refaire lien social et éviter les guerres fratricides et permettre la participation, ce qui nous permet alors de revenir sur, d'enchaîner peut-être directement sur notre deuxième question, c'est de savoir « et maintenant ?» Et bien donc « et maintenant ?» Donc notre deuxième question pour laquelle je proposerai à Peggy Larieux de commencer, pensez-vous du point de vue de votre domaine d'expertise que cette pandémie aura des conséquences durables et lesquelles ? Peut-elle déboucher sur des transformations qu'on peut juger positives pour le vivre ensemble et notre rapport au monde, pour la démocratie et les droits fondamentaux, pour la construction européenne? Bien, merci Antoine. Alors, je vais essayer de répondre à cette question en deux temps. Alors, dans un premier temps, quelles peuvent être les conséquences durables de la pandémie? Eh bien, je crois qu'avant tout, il faut mettre en garde par rapport à un risque. C'est le risque d'acclimatation à l'état d'exception qu'Alberto a déjà évoqué. Alors, il est vrai qu'un régime d'exception est toujours attentatoire aux droits et libertés. C'est la raison pour laquelle il n'est acceptable qu'à la triple condition d'être temporaire, justifié par des circonstances exceptionnelles, et de n'imposer que des mesures strictement proportionnées à l'objectif poursuivi, qui doit être, en toute hypothèse, le retour le plus rapidement possible à la situation normale et au rétablissement du droit commun. Et il est vrai que toutes les mesures adoptées depuis un an ont été présentées comme étant provisoires. Cependant, on sait bien depuis les travaux de Michel Foucault que les épidémies peuvent être des laboratoires d'innovation politique. Dans Surveiller et punir, il expliquait comment la propagation de la peste avait permis aux États d'imposer au XVIIe siècle des mesures coercitives dans le cadre de dispositifs disciplinaires. De la même façon, Albert Camus, dans La peste, a aussi mis en garde contre ce risque d'acclimatation. Je cite, « Alors même que le temps de la peste était révolu, il continuait à vivre selon ses normes. Au nom de l'effet cliquet qui régit la vie de nos institutions contemporaines, il n'est pas impossible de se demander si ces décisions sanitaires, une fois mises en œuvre, perdureront dans le temps. Il existe en effet une tendance à la normalisation de l'état d'exception. On l'a constaté avec les mesures antiterrorisme. C'est dire que la généralisation de la surveillance, qui s'est accélérée sous le coup de l'urgence sanitaire, pourrait mener à une mutation de nos régimes politiques. Comme l'a écrit Mireille Delmas-Marty dans Le Monde début mars, le rêve de perfection transforme nos états de droit en états policiers. Après les discours musclés annonçant l'éradication du terrorisme, voici les discours savants sur le zéro Covid. Mais toujours la même obsession sécuritaire,
le même rêve d'un monde sans risque, sans crime et sans maladie. On s'en réjouirait si l'on ne savait pas avec quelle facilité le rêve d'un monde parfait peut tourner au cauchemar des sociétés de la peur. Le mythe sécuritaire, et aujourd'hui, c'est que sanitaire, prédominant aujourd'hui et pourtant incompatible avec notre état de droit. Nous sommes peut-être en train de tomber dans ce qu'Edgar Morin appelle une société damocléenne, c'est-à-dire une société tout entière centrée sur le principe d'assurance, de précaution et de prévention de tout risque. Mais dans une conception non déterministe de l'existence, cette tentation damocléenne ne peut être cautionnée dès lors que l'on veut bien admettre que le risque zéro n'existe pas. C'est dire qu'il faut ménager une place pour les principes d'incertitude et d'indétermination. L'inconfort de l'incertain n'est-il pas d'ailleurs le prix de la liberté humaine? Comment faire alors, et c'est le deuxième temps de ma réponse, comment faire alors de la pandémie une opportunité pour penser l'avenir, pour essayer de reconstruire la société en des termes plus humains et pour éviter l'avènement d'États autoritaires et brutaux? Pour cela, à mon sens, encore faut-il commencer par tirer les leçons de la situation. Car cette pandémie, si elle nous a apporté un florilège d'incertitudes, nous a beaucoup enseigné également. D'abord, par sa dimension planétaire, elle nous a enseigné que nous sommes tous reliés les uns aux autres. On peut à cet égard citer le microbiologiste Charles Nicolle, qui écrivait en 1933 « La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace et solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. » Dans la gestion de la pandémie, on a vu réapparaître les souverainetés nationales alors que nous aurions peut-être intérêt à repenser les solidarités internationales. Il est bien évident que l'on ne doit pas abandonner la notion de souveraineté. Au contraire, ce serait adopter un modèle unitaire tel que celui de la Chine ou des GAFAM. Mais nous pourrions, comme l'appelle de ses voeux Mireille Delmas-Marty, essayer de passer d'une souveraineté solitaire, avec un T, à une souveraineté solidaire, avec un D. Concernant, par exemple, la vaccination, il faudrait peut-être raisonner par rapport au bien commun mondial. Car ce n'est pas seulement par rapport à la peur que nous devons raisonner ensemble, c'est aussi par rapport à nos ressources. Et il serait peut-être intéressant de revoir les concepts juridiques de biens et de personnes. Ensuite, d'un point de vue économique et social, la pandémie nous rappelle à la frugalité, à la sobriété. Nous, pays occidentaux, sommes plongés dans une société du trop-plein, de la surconsommation, de l'excès. C'est que nous vivons dans l'hubris, le toujours plus, ce que les Grecs appelaient la pléonexie, c'est-à-dire le non-limite. Dans L'homme révolté, Albert Camus avait déjà souligné cette tendance occidentale à la démesure. En un mouvement incessant de fuite en avant, nous avons abandonné toute référence à l'idée de limite. Or, la pandémie liée au coronavirus se présente aussi comme une crise de la limite, parce que cette limite que nous avions cru pouvoir repousser indéfiniment a fait retour dans le réel, selon le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun. Il faudrait, dès lors, essayer de repenser cette idée de limite, essayer de l'envisager comme une terre ou un mur, mais plutôt comme un passage ou un pont. Enfin, d'un point de vue existentiel,
La pandémie nous contraint à nous interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais besoins. Nous avons vécu en effet un déplacement très préjudiciable de la vie au sens symbolique vers la vie au sens biologique, la vie nue selon le philosophe Giorgio Agamben. Or, la vie au sens biologique, la zoé pour les Grecs, n'est pas le propre de l'homme. Le propre de l'homme, c'est la dignité. Et la dignité a été sérieusement maltraitée dans le cadre de la gestion de la pandémie. On l'a vu avec, par exemple, l'isolement des personnes âgées, l'évacuation des funérailles, etc. La double dimension corps-esprit, biologique, symbolique, a été quelque peu balayée, oubliée, négligée. La survie biologique est sans aucun doute la condition nécessaire de la vie d'un organisme, mais elle n'est pas suffisante pour faire de celle-ci une vie proprement humaine. Cela s'est trouvé admis et même revendiqué par les confinés dès le printemps 2020. Ils réclamaient de la culture, de la lecture, de l'enseignement, moins pour oublier ce qui menaçait leur vie que pour doter leur existence d'attributs non réductibles aux soucis de leur santé. Nous avons tous besoin de retrouver l'essentiel dans nos existences, qui ne peuvent se réduire à la vie nue, au sens biologique du terme. D'où l'urgence première, éviter que la pandémie qui nous arrivait à l'organique ne soit confisquée au moment de sa résolution par un surcroît de dispositifs techniques propices à nous asservir à des automatismes. Vivre, c'est résister à la transformation de soi en être de pulsion ou en automate. C'est refuser d'être un animal comme un autre. Le symbolique doit retrouver sa puissance humanogène. En définitive, à mon sens, plus que sur le plan juridique, c'est sur le plan des mentalités qu'il faut agir. Le refus d'accepter la faillibilité de l'humain, sa fragilité, son imperfection congénitale, entraîne une quête débridée d'optimisation et de performance. Il est peut-être temps de reconnaître que nous sommes des êtres inachevés, fragiles, vulnérables, mais aussi des êtres conscients du caractère constitutif de leurs limites. Donc je pense qu'il faut plutôt aller sur le terrain des mentalités, plutôt que de surrajouter encore du droit. Remercie. Voilà, merci beaucoup Peggy Larieux. Donc, moi, ce que ça m'a évoqué, c'est qu'on parle beaucoup de crise du coronavirus et ce que vous avez montré, que ce n'est pas du tout donné d'avance que ce soit une crise, que ça risque d'être un état provisoire qui devient un état d'exception permanent et un refus de la maladie, puisque zéro Covid, c'est quand même zéro coronavirus disease. Il y a disease dedans, donc zéro maladie. Et que finalement, l'avenir, c'est peut-être de refaire la crise au sens qu'elle est maturante et qu'elle réveille le fondement de ce qui nous constitue, de repasser du solitaire au solidaire, de retrouver une vie digne. Christian Salmon disait qu'une vie digne, c'est une vie digne d'être racontée, et de remettre les choses en mouvement, donc de se remettre en cause au sens où la cause redevient active. Et donc, transformer cet état d'exception en crise qui est une crise maturante et revigorante du fond qui nous fait humains, c'est tout un enjeu. Donc, je vous remercie de nous avoir présenté ce défi. Voilà, je donne la parole à Anne-Emmanuelle Bourgault pour qu'elle nous dise un petit peu également comment elle pense, du point de vue de son domaine d'expertise, ce que cette pandémie aura comme conséquence durable. Et lesquels? Voilà, je suis deuxième sur le podium, hein, puisqu'on avait notre petit jeu.
Donc, c'est parce qu'en aparté, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, on se disait qu'on se laissait encore régulièrement avoir en ne débranchant pas notre micro. Et moi, je pense qu'inconsciemment, c'est notre forme de résistance à tous ces procédés Zoom et autres Teams. Et donc, voilà, je me suis fait avoir, j'en suis presque contente. Moi, je vais plutôt me tourner sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut proposer, en fait, ce à quoi on doit être attentif. Et moi, je crois, écoutez, je vais vous parler de trois choses. C'est que je reviens, c'est un peu mon obsession, mais vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. C'est sur ce fameux principe de l'égalité, donc de la loi. J'entends bien que ce n'est pas qu'une question de droit, mais c'est quand même aussi, à mon avis, une question de droit, ce que nous apprend cette crise. Parce que donc, en Belgique, le principe de l'égalité, qui est en fait génial et simple, impose normalement qu'une loi soit votée pour ce qui concerne nos droits et les matières fondamentales, nos droits et libertés, les matières pénales. Et ce principe a été à montrer, alors là, à quel point il résistait mal. Et je crois que c'est ça, en fait, que nous apprend cette crise, et c'est à ça qu'on devra être attentif, déjà maintenant, mais encore plus quand on pourra ressortir, être sans dans une bulle si on a envie. C'est que c'est à ce principe de l'égalité, et donc au Parlement. Au fond, ça, c'est, moi, je ne suis pas très douée pour le désespoir, et je mettais en boutade dans le canal qu'il y a la dernière chose que je voudrais, c'est qu'on déprime encore plus nos étudiants. Ils n'ont pas besoin de ça. Et donc, justement, je pense qu'il faut le tourner en positif, à savoir que ce Parlement-là, ces parlements, parce qu'on a quand même le record mondial de parlementaires au monde, hein, en Belgique, eh bien voilà, on n'a plus le choix, il faut les revaloriser. Parce qu'au fond, je vais vous dire, il n'y a quand même rien de neuf sous le soleil, c'est assez caractéristique de cette crise Covid, et ça vaut pour les propos d'Alberto aussi, pour l'Union européenne, et j'ai l'impression que voilà, il y a le Covid-19 sur nos corps, tape où ça fait mal, et ça vaut pour nos institutions. C'est pas nouveau que le Parlement est dévalorisé. Alberto reviendra certainement sur des propositions sur l'Union européenne. C'est pas nouveau que l'Union européenne pose problème. Ce qu'il y a, c'est que ce Covid-19 augmente, c'est comme accélère, en fait, de manière critique et paroxystique des choses, au fait, qu'on constatait déjà avant. C'est un peu comme un film en accéléré, comme ça, vous voyez, en 90 ans, les choses se sont dégradées à un point, mais qu'on ne pensait pas possible. Et donc, je crois vraiment que ce principe de l'égalité, ça, c'est la version technique, la version moins technique, c'est ces parlements. Il faut sauver les parlements, en fait. Il faut revaloriser les parlementaires, c'est pas neuf. Je me rappelle une citation que je citais souvent dans des articles que j'ai écrits là-dessus, de Mitterrand, qui disait: à l'Assemblée nationale, il fait froid, c'est vide, c'est déprimant. C'était avant le Covid-19, c'était du temps de Mitterrand, on a l'impression que c'était il y a 1000 ans. C'est aussi l'effet ça de la crise, d'ailleurs, le temps s'est accéléré, mais je ne sais pas si vous avez cette même impression, le temps d'avance en tellement loin. Mais donc, ce n'est pas nouveau que ces parlements et ces parlementaires se cherchent. Là, on est un peu acculé, si vous voulez, à trouver des solutions, parce qu'on reste dans des démocraties largement représentatives. Ce que nous apprend ce Covid-19, c'est qu'il faut les revaloriser. Et alors, loin de moi l'idée de dire qu'il faut faire que de la démocratie représentative. Moi, j'ai toujours été persuadée qu'il fallait aller plus loin que la démocratie représentative. Mais ce que nous apprend cette crise Covid-19, c'est que ce chaînon-là, ces parlementaires, qui sont au fond l'interface entre nous et les autorités, qui sont la courroie de transmission entre leurs représentants et les représentés, qui sont cette possibilité, en fait, cette antichambre, j'ai presque envie de dire, entre notamment ce fameux exécutif là, qui prend toute la place, et nous, eh bien, on en a besoin. On en a besoin, on a besoin que ça fonctionne, parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui se passe dans la crise Covid-19, dans la gestion de la crise Covid-19 en Belgique. On a l'impression, excusez-moi quand même, d'être dans Brésil, hein, avec des circulaires, des arrêtés ministériels qui tombent, et presque la machine qui devient folle, parce que de fait, ça prend beaucoup moins de temps d'adopter un arrêté ministériel que de prendre une loi.
Ah oui, ça oui. Et ça, du coup, on en voit les conséquences. C'est 35 ou 36 arrêtés ministériels en un an, bah, ça va tellement vite qu'on ne sait plus suivre qui. Moi, je vous assure qu'avant de comprendre tout un arrêté ministériel, il est déjà changé. Et je suis juriste. Donc là, ça montre aussi quand on se passe du Parlement, quand on se passe du parlementarisme et quand on se passe de la démocratie représentative, eh bien, il y a un sérieux problème. Donc, le chantier, déjà maintenant, qu'on doit mener, mais certainement dans l'après-Covid-19, c'est prendre à bras le corps ce problème qu'on connaît, en fait. On sait hein, qu'il y a un problème avec les parlements et les parlementaires, pour les valoriser, et notamment, je pense qu'en Belgique, peut-être encore plus qu'en France, pour faire ça, il va falloir qu'on réfléchisse bien plus sérieusement, soigneusement, et puissamment au lien qu'entretiennent nos parlementaires avec leurs partis politiques. Parce que je crois que la relation entre nous et les parlementaires ne pourra être revalorisée, ne pourra être revitalisée, ne pourra être rénovée et réenchantée que si on donne les moyens à ces parlementaires d'être moins dépendants de leurs partis politiques. Pour le moment, on a l'impression que les parlementaires sont les représentants et les mandataires plus de leur organisation politique que de leurs électeurs. Et c'est ça qui produit une série de problèmes et de dysfonctionnements. La deuxième chose qu'il faut, que le Covid-19 nous montre et qu'il faudra faire, et ça rejoint pas les thématiques chères à Alberto, c'est ce fédéralisme belge. Il faut qu'on le pense et qu'on le repense, parce que j'ai l'intuition, je n'ai pas, voilà, il faudra que je creuse, on est dedans, et puis on est un peu la tête sur le guidon aussi, hein, nous les chercheurs et les profs, on essaye aussi de s'adapter à ces protocoles qui changent dans tous les sens, du comodal, de l'hybride, on peut revenir, pas revenir, et donc peut-être qu'il me faudra plus de recul, mais j'ai quand même l'intuition que l'option très sécuritaire qu'a prise la Belgique dans la gestion du Covid-19, c'est au fond aussi pour mettre sous couvercle ce fameux fédéralisme belge d'une complexité inégalée qui nous a valu la une de la presse internationale régulièrement parce qu'on est incapable soit d'aller à une conférence internationale, la COP21, avec une position uniforme, soit parce que nos tunnels s'écroulent dans la capitale. Bref, régulièrement, on fait la une de la presse internationale parce que notre fédéralisme ne fonctionne tout simplement pas. Le RER, quand même, le RER était prévu déjà il y a un quart de siècle. Hein. Je veux dire, c'est hallucinant, l'addition des dysfonctionnements de ce fédéralisme belge. Et je suis de celle, je ne suis pas suspecte, qui très tôt dans la crise du Covid-19 a dit, bah, en tout cas, quelque chose qui est pas mal, c'est qu'on n'est pas retombé dans les errances des tunnels bruxellois qui s'écroulent, de la COP21, on est incapable de venir en rang serré. Et que donc, d'une certaine manière, pour faire face à la pandémie, le fait qu'il y ait un unisson belge, c'était presque émouvant, parce qu'on n'a tellement plus l'habitude. Après, peut-être, d'ailleurs en enseignement de ce que disait Tocqueville, peut-être qu'on a été trop loin maintenant, je pense, dans cet unisson. Et que l'autorité, pourquoi je parle de Tocqueville ? Parce que Tocqueville disait, au fond, dans un État fédéral, on a moins à craindre d'un État fédéral, parce que comme l'autorité y est fragmentée, elle sera moins, elle menacera moins la liberté. Bah, en fait, Tocqueville, il a raison, parce que de fait, nous, depuis qu'on est en rang serré, là, avec ces différentes instances paralégales qui unissent les différentes composantes de la Belgique, eh bien, on voit ce que ça fait sur la liberté. Et donc, ce que je subodore, et ce dont j'ai l'intuition, c'est que ce cadre sécuritaire, et notamment le cadre de la sécurité civile, parce que c'est sous l'enveloppe de la sécurité civile que toutes les mesures sont adoptées, ça permet, au fond, de mettre le couvercle sur la marmite de ce fédéralisme belge extrêmement dysfonctionnant et qu'on ne parvient pas, je veux dire, à améliorer de manière satisfaisante. Et donc ça, et je me demande si ça ne vaut pas aussi pour l'Union européenne, je vais vous dire. Je pense que, de nouveau, on paye cher le prix de nos dysfonctionnements parce que s'il est vrai qu'on a dû adopter cette perspective sécuritaire avec un État fédéral fort, une ministre de l'Intérieur forte qui adopte des arrêtés ministériels de plus en plus intrusifs dans nos droits et libertés. S'il est vrai qu'on a fait ça, parce qu'en fait,
juridiquement, on avait besoin de justifier la mainmise de l'État fédéral, que juridiquement, non, on ne sait plus quoi faire de ce fédéralisme où il y a un nombre incroyable d'entités et qu'on a, on veut que tout ça marche ou pas, alors ça montre encore plus la nécessité, si besoin en était, de penser ce fédéralisme belge, parce qu'excusez-moi, si l'alternative c'est soit le chaos parce qu'on ne parvient pas à être en ordre de marche, ou une mise en marche mais hyper sécuritaire impactante sur nos droits et libertés, excusez-moi, alors là franchement c'est vraiment la peste ou le choléra, c'est le cas de le dire. Donc il faut à la fois penser le la démocratie représentative et aussi le fédéralisme, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on doit faire ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire penser la réforme de l'État de manière ce que j'appelle citoyenne, pas comme on fait d'habitude les réformes de l'État pendant quelques mois dans un château, par épuisement des négociateurs et puis on retombe sur des réformes d'une complexité inouïe. Non, il faudra penser la réforme de l'État à la fois sur le plan démocratique et à la fois sur le plan du fédéralisme, et notamment en impliquant beaucoup plus les citoyens. Et j'en termine par là, la dernière chose, moi je le vis personnellement, là vraiment, enfin, je me reste aussi, je le vis personnellement, mais je suis vraiment en train d'en faire les frais, et ça intéressera particulièrement vos centres, c'est que je crois qu'on paye cher l'isolement épistémologique. Je m'explique. Par exemple, pour penser ces fameux pouvoirs de police de la ministre de l'Intérieur, qu'elle utilise là depuis un an, alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'y donne, pas qu'elle d'ailleurs, parce qu'avant c'était un ministre de l'Intérieur, et bien pour les penser complètement, moi je dois vraiment sortir de mes zones de confort scientifique, parce qu'au fond, on se retrouve à l'intersection entre le droit constitutionnel, ça c'est mes matières, mais aussi le droit administratif, c'est moins mes matières. Le droit pénal, c'est alors là plus du tout mes matières depuis longtemps. Et ce que j'observe, c'est que nous, les scientifiques, qui ont quand même, excusez-moi, un rôle d'alerte, un rôle de pensée, on est payé par la collectivité pour ça, on peine sans doute à appréhender toutes les dérives de cette gestion Covid-19, aussi parce que nous sommes, ou en tout cas moi je me suis trop enfermée dans ma tour d'ivoire disciplinaire. Et je crois que dans les universités, pas vos centres, ça je vous en félicite, mais dans les universités, on le sait, c'est un mal du 21e siècle, vous voyez, c'est même plus le droit public, ou en tout cas, c'est pas le droit public, c'est le droit constitutionnel, c'est pas le droit administratif, mais dans ce droit administratif de ceci, etc. Donc on est un peu comme les médecins spécialistes de la troisième phalange du petit orteil gauche. Eh bien ça, pour évidemment, quand il y a une dérive, ou quand l'autorité fonctionne, ou quand il y a crise, écoutez, c'est bien normal, la vie réelle ne s'encombre pas de nos petites querelles de chapelle. Et ça, je constate que c'est un frein à jouer notre rôle de pensée, notre rôle aussi d'alerte vis-à-vis de la société. En tout cas, c'est vraiment la leçon que je retire de cela, c'est de fracturer, de ne pas hésiter à exploser, fracturer, abattre ces murs disciplinaires pour pouvoir très bien penser, plus justement penser au plus près ces phénomènes et ces dérives massifs que l'on vit en période de crise. Voilà, et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup pour ces propos. Moi, ce que je retiens, si j'ai bien compris, c'est qu'il faut que la pyramide fasse un cumulé complet pour que le Parlement retombe sur ses pieds. La pyramide qui était sur sa tête, elle doit finalement retomber sur ses pieds. Et là, j'avais un peu une question, peut-être dans la discussion, vous pourrez y revenir sur ce que peut signifier aller plus loin que la démocratie représentative. Ça, voilà. Alors, le deuxième point, peut-être, et le troisième en même temps, par rapport à l'interdisciplinarité, je vais quand même me permettre de reparler comme psychiatre, psychanalyste, parce que vous nous avez dit finalement que le Covid a été un symptôme que Lacan appelle même symptôme pour faire tenir le fédéralisme belge, le nouage des trois grâce au Covid, mais avec le risque évidemment que le symptôme risque de devenir mortifère et risque d'être mortifié. Et donc il faut, si le symptôme est nécessaire,
il faudrait quand même le rendre un petit peu vivant pour repenser qu'est-ce qui peut faire quatrième rond dans notre fédéralisme belge. Voilà. Donc, je vais passer la parole maintenant à Alberto Alemano pour qu'il puisse aussi nous dire comment, lui, de son point de vue, comment dans sa lorgnette, il voit les conséquences durables, lesquelles, comment et qu'est-ce qu'on peut espérer au bout de cette traversée. Merci, merci Antoine. Je pense qu'il y a plein de leçons à tirer déjà aujourd'hui, mais il faut quand même être honnête, nous n'avons pas appris grand-chose. Ça fait 12 mois que nous sommes dans cette crise et finalement, la nature des mesures qui ont été adoptées sont les mêmes aujourd'hui que celles qui ont été adoptées il y a 12 mois, 11 mois. Et si vous voulez vraiment regarder historiquement, l'approche privilégiée pour ralentir la transmission du virus sont les mêmes mesures qui ont été adoptées en 1918, lorsque l'autre grande pandémie avait été adoptée, à savoir, nonobstant les évolutions technologiques qui ont eu lieu au fur du siècle passé, les mesures privilégiées pour ralentir la transmission sont les mêmes. La seule différence est évidemment le fait d'avoir réussi à identifier un vaccin dans un délai absolument record, quelques difficultés à les produire et à les distribuer, mais finalement, le contexte est un contexte assez insatisfaisant d'un point de vue du citoyen. Donc, ces leçons ne sont pas tirées. Si vous regardez aujourd'hui à la crise qui nous occupe, à savoir la suspension temporaire du vaccin d'Oxford-AstraZeneca. Nous assistons à une retrait, une suspension coordonnée de la part de certains États membres qui sembleraient aller à l'encontre des principes qui régissent l'analyse du risque en Europe. Nous avons un produit qui a été soumis à une autorisation préalable centralisée. Nous avons l'autorité du produits pharmaceutiques qui dans les passés étaient à Londres, aujourd'hui c'est Amsterdam, qui nous dit que non seulement le vaccin est autorisé, mais qu'il continue à être utilisé et utilisable. Et nous avons une partie d'État, selon une logique qu'on peut définir d'émulation, suite à la pression de l'opinion publique, qui décide de suspendre l'inoculation et l'administration du vaccin. Et sans se rendre compte que, comme dans chaque décision du risque, nous avons une mise en balance à faire, à savoir aujourd'hui, nous sommes en train de décider de ne pas s'administrer le vaccin à un nombre d'individus. Certains de ces individus, notamment certains qui seront malades, seront infectés, pourront même mourir. Et les nombres de ces individus-là par rapport auxquels on renonce à vacciner sont bien plus nombreux de ceux que nous sommes en train peut-être de sauver en décidant de suspendre, c'est-à-dire de ne pas donner les vaccins à cause de cette incertitude scientifique qui est en train de toucher un nombre de vies qui ne sont pas statistiques parce que malheureusement elles existent, mais qui sont infinitésimales comparées à l'autre nombre. C'est un cas d'étude que j'utiliserai la semaine prochaine avec mes étudiants pour comprendre ce que les Anglais et les Anglo-Saxons appellent les trade-offs, à savoir à chaque fois qu'on fait un choix d'évaluation du risque, il y a des conséquences inattendues qu'il faut également prendre en considération. Il y a un devoir moral de la profession scientifique et également celle politique de mettre en balance de manière transparente les deux côtés. Et c'est là, malheureusement, exactement ce qu'il est en train de se produire. Donc, je pense, pour revenir aux leçons à tirer, qu'il y aura sûrement une prise de conscience des limites de la construction européenne. Sa nature incomplète aujourd'hui est sous les yeux de tout le monde. Et comme je disais tout à l'heure, la question est celle de savoir si nous allons accélérer avec une cession de souveraineté tout au long d'une série de politiques, à commencer par la santé publique, qui est une compétence très limitée, mais existante, pas inexistante, comme tout le monde dit, ou sinon, s'il y aura un pas en arrière dans notre construction, un scénario qui semblerait être beaucoup plus probable en l'état actuel de nos évolutions.
Ce que je voudrais attirer votre attention, et je vais reprendre l'analyse qui a été faite par Anne-Emmanuelle et peut-être aller un petit peu plus loin par rapport à mon travail sur la question de la démocratie participative, c'est celle de dire finalement que nous avons assisté à une crise sanitaire, nous nous concentrons beaucoup sur la crise sanitaire, nous avons assisté à une crise financière qui est plus cachée parce qu'elle ne nous touche pas directement, parce que nous faisons partie des catégories privilégiées qui ne sont pas directement touchés par cette crise financière. Et nous avons assisté à une accélération dans les processus décisionnels européens avec l'Allemagne qui décide finalement de permettre à l'Europe de se financer sur les marchés. Mais derrière cette crise sanitaire et cette crise qui est une crise financière, il y a une crise démocratique, à savoir une situation où nous assistons à une érosion des différentes mécanismes que Pierre Rosanvallon appelait contre-pouvoir, que nous pouvons appeler d'une autre manière, mais c'est des mécanismes qui font partie, à commencer des partis politiques jusqu'à la presse et la société civile, qui ne sont plus là. On n'investit pas dans la démocratie, on n'investit plus dans la démocratie et la représentation n'est plus satisfaisante. Donc, nous assistons à une crise de la représentation. Les corps intermédiaires ne sont plus représentatifs et sont de moins en moins rédhibables. Et donc, la question se pose justement, comme annoncé par Anne-Emmanuelle, comment on peut aller au-delà? Eh bien, nous assistons aujourd'hui en Europe, avec une certaine vivacité, même si elle est un peu cachée par d'autres nouvelles, une certaine vivacité de la société civile et de la démocratie innovative. Donc, nous avons beaucoup d'expérimentations qui s'est produite au fur des dernières années. La Belgique, avec le mouvement G1000, représente un exemple unique au monde où, effectivement, l'idée d'accompagner les représentants avec des formes délibératives, comme les assemblées citoyennes ou d'autres, comme vous avez en Belgique, dans la communauté germanophone, sont des exemples super intéressants. C'est des exemples dont, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas disposer dans notre processus décisionnel. Et lorsqu'on le fait, l'exemple français, il y a clairement une tentative plutôt instrumentale de mobiliser des mécanismes qui donnent sur les courts termes une légitimation qui manque à la représentation, dans ces cas-là au président de la République et à la majorité parlementaire dont il dispose au sein de l'Assemblée nationale, pour finalement réussir à retrouver un capital politique qui lui manque. Mais il y a quand même une dimension positive, et nous avons beaucoup de littérature, beaucoup de données empiriques qui nous démontrent comme aujourd'hui la représentation a besoin d'être accompagnée. Qu'est-ce qui signifie? Signifie que nous devons créer des nouvelles, comment vous les appelez en français, des nouvelles courroies des transmissions permettant à l'électorat et aux électeurs et aux représentants de s'engager lors du moment existant, de l'espace existant entre un moment électoral et l'autre. À savoir, la démocratie représentative n'étant plus capable de nous donner représentation et rédévabilité dans cet espace, il faut que tout le monde, et ça c'est ma petite théorie du lobbying citoyen, puisse engager, influencer les décideurs exactement de la même manière où les représentants des différentes entreprises ou encore les syndicats ou les corps intermédiaires anciens et aujourd'hui les mouvements citoyens puissent partager des idées et garantir la rédévabilité, la responsabilité des décideurs. Donc, il y a plusieurs manières d'organiser cela, mais le premier exemple que je voudrais vous donner, c'est les plans de relance européens. Donc, un plan de relance impressionnant, 750 milliards d'euros qui seront distribués, redistribués en Europe pendant les prochains mois. Eh bien, il y a des lignes directrices qui accompagnent les modalités selon lesquelles les États membres doivent préparer leur plan national pour justifier l'octroi de ces fonds. Et dans cette ligne directrice, il y a une claire indication selon laquelle les États, lors de la préparation de ces plans, ils devraient écouter la société civile et organiser des mécanismes de participation visant à co-désigner et à co-créer des mesures, non seulement au moment de la proposition, mais également au moment de l'utilisation de ces fonds. Eh bien, aujourd'hui, on est au 16 mars 2021, environ 2 mois avant le dépôt des plans de relance, nous avons qu'un pays, c'est le Portugal, qui a offert cette possibilité à ses citoyens. C'est un vrai dommage, c'est une opportunité ratée que la société civile n'exige pas de la part de leurs représentants la création des formes de
assemblées citoyennes, consultations publiques, d'autres formes d'engagement permanent qui puissent accompagner nos représentants et recréer et revitaliser, comme disait tout à l'heure Anne-Emmanuel, le rapport existant entre citoyens et décideurs. Ça, c'est l'avenir de la démocratie. Si on n'en parviendra pas à recréer un lien convaincant et à créer une capacité de réponse de la part de nos représentants, il sera de plus en plus compliqué de gérer des sociétés complexes où les grands défis d'intégration économique et politique a atteint ces niveaux d'intégration. Mais il faut quand même changer un petit peu la donne. Il faut permettre aux citoyens de s'approprier de cette Europe si vraiment le désire, sans l'imposer des lots comme souvent les fédéralistes, les pro-européens l'ont fait. Et cela, malheureusement, a causé beaucoup de dégâts à cette Europe qu'on vit aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Donc, moi, ce qui m'a vraiment frappé pour faire un lien avec le premier exposé de Peggy Larieux, c'est quand même, vous avez commencé par dire qu'on n'a pas appris grand-chose, mais en réalité, quand on a peur, on n'apprend pas. C'est quand même ce que la peur empêche d'apprendre. Et Albert Camus disait qu'au moment de la peste, le plus grand ennemi, c'était la peur. Alors, vous avez montré comment la peur ne permet pas d'apprendre, ne permet pas de prendre les bonnes décisions, ne permet probablement pas de faire de la démocratie. Et que la solution serait, mais ça vous me direz si vous êtes d'accord, finalement de sortir de cette peur et d'oser sur YouTube. Merci, merci Antoine et merci à vous trois pour ces interventions très stimulantes. Vous avez tous les trois été très, très critiques. Vous avez aussi, en réponse à la deuxième question, tracé des pistes de réflexion pour tirer des leçons de cette crise qui nous mène vers un mieux, mais vous étiez la teneur générale de vos propos à tous les trois était très critique. Alors avant de relayer un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat, et d'ailleurs j'encourage les auditeurs à en poser d'autres, je voulais apporter d'autres éléments dans la discussion sous forme de questions à adresser plus spécifiquement à Peggy Larieux. Vous avez utilisé des mots très forts, des mots très durs pour qualifier la politique actuelle. Vous avez parlé de déshumanisation, de totalitarisme, d'obsession sécuritaire. Moi, je voudrais prendre le problème dans l'autre sens. Est-ce que ça veut dire que vous contestez toute légitimité aux mesures qui sont prises ? Et pour le dire autrement, est-ce qu'on peut lutter contre l'épidémie à laquelle on est confronté sans passer par des restrictions aux droits et libertés, sachant que pour rester compatible avec nos principes fondamentaux, il faut qu'elle respecte certaines conditions, l'égalité, proportionnalité. Mais est-ce qu'on peut éviter des restrictions aux droits et libertés? Je voudrais rappeler en quelques mots la situation dans laquelle on est, un virus très contagieux, contre lequel pour l'instant on n'a pas de traitement totalement efficace, avec une forte, qui a chez les personnes les plus âgées un haut taux de mortalité. Chez les personnes plus jeunes, il peut provoquer aussi des formes graves avec des séquelles. On a le problème des variants. On peut dire aussi que les gouvernants ont un devoir de protection à l'égard de leur population. Et on a vu, alors on peut aussi citer des exemples inverses. Il y a des États qui ont fait le choix, ou qui l'ont fait dans un premier temps, de ne pas prendre de mesures de protection. Alors pour un certain nombre d'entre eux, ça s'expliquait par la volonté de ne pas brider l'économie. Et donc certains États ont fait le choix de privilégier l'économie sur la protection des populations. On peut penser au Brésil, par exemple, avec des conséquences désastreuses, avec un très haut taux de mortalité et des conséquences très inégales aussi, parce que les plus privilégiés, souvent, ont pu se protéger. En tout cas, ont pu se protéger beaucoup plus facilement que les plus pauvres. Et les plus privilégiés qui tombaient malades avaient accès à des traitements.
les plus défavorisés étaient souvent laissés à leur sort. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de déshumanisation, ce type de politique-là, la politique inverse ? Voilà. Alors, et juste pour terminer, ce qui est intéressant de relever, c'est que, pour reprendre le cas du Brésil, il y a des personnes qui ont introduit des recours en justice pour demander à l'État de prendre des mesures de type confinement, mesures contraignantes. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue sur cet autre type de situation qu'on peut rencontrer. Et ma question de base, est-ce qu'on peut lutter contre une telle épidémie sans passer par des restrictions aux droits et libertés ? Alors, merci beaucoup, Julie, de votre question. Alors, il est vrai que les réponses à la pandémie ont varié d'un bout à l'autre de la planète. On a, je crois, globalement trois modèles. Le modèle libéral Trump-Bolsonaro a montré ses limites. Le modèle asiatique, lui, a été plus efficace sur le plan sanitaire, mais au prix de restrictions quand même importantes des libertés. Quant à nous, nous essayons de chercher en quelque sorte une ligne de crête entre les exigences de la santé, les exigences de l'économie. Nous sommes à la recherche d'une ligne de crête. Mon propos à moi n'est pas celui d'un scientifique, ni celui d'un politique. Mon propos, en fait, c'est celui d'un juriste et je constate une évolution au niveau de la société. Cette évolution ne date pas de la pandémie de 2020. Elle est antérieure, c'est-à-dire qu'il y a quand même une tendance à un excès de droit, à un excès de transparence, tendance qui a été amplifiée avec le coronavirus. Voilà, c'est en ce sens-là qu'il y a un risque. En revanche, d'un point de vue sanitaire, il me semble que nous sommes tous démunis face à ce virus. Et je crois qu'il faut le reconnaître. Nous sommes tous en souffrance et je ne pense pas qu'il y ait là à se prononcer sur des modèles politiques. Merci. Alberto et Annuel, vous voulez ajouter quelque chose ou on passe aux autres questions ? Oui, volontiers. Quelques réflexions, parce qu'effectivement, oui, j'aurais posé la même question à Peggy tout à l'heure, dans la mesure où effectivement, il y a eu quand même un débat important sur la légalité, sur les fondements scientifiques de certaines mesures. Et je pense que les côtés critiques, d'un point de vue vraiment de décision du risque, c'est que la plupart des mesures que nous avons adoptées ont été des mesures indiscriminatoires, à savoir des mesures qui s'appliquaient à tout le monde, indépendamment de leur âge, de leur situation sanitaire. Et cette mesure indiscriminatoire était également un choix. C'est-à-dire qu'on aurait pu, mais ça reste un peu un tabou, de soutenir, qu'on aurait pu demander seulement aux personnes vulnérables, finalement, d'être confinées à la maison, de ne pas s'exposer. C'était un choix qu'on aurait pu faire et qu'aucune société a fait. C'est-à-dire que la plupart des mesures des distancements ont été des mesures indiscriminées, qui continuent à l'être. Mais d'un point de vue purement des desseins institutionnels, ces mesures auraient pu être déclinées d'une autre manière. Et on sait très bien que l'attente aujourd'hui dans la population, c'est que grâce au vaccin, à savoir le deuxième instrument qu'on utilise pour ralentir la transmission, on sera capable, une fois que les personnes les plus vulnérables par rapport auxquelles nous avons tous sacrifié notre liberté, pourront être protégées. Et donc, cela rebondira sur une majeure liberté. Tout à fait. Toutefois, si on regarde à Israël, où environ 3 cinquièmes de la population ont été vaccinés, ou encore au Royaume-Uni, où les 30% de la population étaient vaccinés, on voit qu'il y a une coexistence des mesures indiscriminatoires et les vacciner. Donc, voilà, ça, c'est une autre dimension à prendre en compte. Et puis, il y a une question plus fondamentale à laquelle je tiens beaucoup et que je souligne depuis un an, à savoir quelle est l'échelle pertinente pour adopter des mesures pertinentes. Est-ce que c'est l'État-nation? Et bien évidemment, pas. C'est les régions. Les régions, au sein de chaque État, présentent des caractéristiques différentes. Même des pays plus petits ont des régions qui présentent des situations épidémiologiques différentes. Eh bien, nonobstant les faits que les régions devraient être l'échelle pertinente, on reste sur une échelle nationale qui ne fait pas justice à la situation épidémiologique. Donc, souvent, ils me disent, Alberto, tu es trop critique, qu'est-ce que tu ferais à leur place?
Bon, moi, je pense que les principes généraux devaient être les suivants. Si deux régions en Europe, la région des tempérés, pour revenir à mon exemple en Finlande, et la région des Siciles présentent les mêmes conditions épidémiologiques, à savoir les mêmes nombres de cas d'infection, eh bien, les mesures que ce nombre devrait déclencher devraient être les mêmes. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, nous assistons à des régions qui ont la même situation épidémiologique en termes des cas, mais où on a des mesures très différentes. On a des écoles qui peuvent être fermées, nous avons des mesures de restriction à l'entrée, nous avons des quarantaines, et encore, lorsqu'on adopte ces mesures sont différentes, à savoir une quarantaine dans un pays dure 5 jours, dans une autre 14, dans une autre 9. Comment on peut justifier en Europe, où il y a des dizaines et des millions de personnes qui circulent et qui vivent leur vie dans cet espace, d'accepter une telle difformité dans la réponse, notamment lorsque les données scientifiques sont les mêmes, c'est un savoir universel. Donc, on devrait être en mesure, un an après, d'avoir une approche plus coordonnée en Europe. Ce que l'Europe, finalement, la Commission n'a pas réussi à imposer et que les États membres n'ont jamais suivi. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune recommandation faite par la Commission qui a été suivie. Et bon, évidemment, les cas des vaccins, c'est les tout derniers, mais si on pense à la liberté, à la restriction, à la liberté entre les pays européens, la Commission a déclaré toutes ces mesures absolument illégales d'un point de vue du droit européen, mais aucun pays finalement a fait un pas en arrière. C'est pour cela que j'étais si dramatique. Donc, dans un monde idéal, il faudrait avoir une coordination majeure dans l'analyse et dans la gestion du risque et dans l'adoption des mesures restrictives pour assurer également un message et pour donner un message un peu plus, comment dirais-je, un peu plus cohérent à la population. Pourquoi un Allemand doit être assujetti à une situation différente qu'un Français, même s'il vit, elle vit dans la même situation, dans le même contexte épidémiologique. C'est des questions qui devraient se poser, qui ne se sont pas posées jusqu'à maintenant, mais je pense que c'est l'attente que beaucoup des citoyens ont aujourd'hui. Merci. Anne-Emmanuel, tu veux réagir? Oui, je voudrais juste réagir à cette idée que jusqu'à présent, on a adopté des mesures non discriminantes. J'ai bien compris ce que voulait dire Alberto, c'est l'idée que voilà, c'est des mesures universelles, apparemment universelles, et là, c'est ça mon propos, parce que de fait, la bulle, par exemple, en Belgique, est la même pour tout le monde. L'obligation du télétravail est la même pour tout le monde. Mais j'attire l'attention quand même sur le fait que c'est une forme d'universalité molle, hein, parce que l'impact de ces mesures est totalement discriminant, à mon avis. Alors, j'ai travaillé, moi, sur notamment les femmes. L'impact du télétravail sur les femmes, je suis désolée, il est absolument faux de dire qu'il est même que par rapport aux hommes, pour des raisons évidentes que, écoutez, on a à peine réussi à quitter les layettes, les cuisinières, les gazinières et le talc, qu'on se retrouve chez nous à la maison, ce qui a évidemment un impact différent pour les femmes que pour les hommes. Les jeunes, j'ai travaillé aussi sur... Donc, c'est absolument... excusez-moi, mais désespérant, le couvre-feu, moi j'aimerais beaucoup dire que ça m'impacte, mais enfin franchement, je mentirais. Le couvre-feu pour les jeunes, la bulle sociale pour les jeunes, c'est la force des jeunes, c'est l'errance, évidemment, c'est de ne pas prévoir comme nous, là, avec nos to-do list et nos côtés complètement organisés, demander à des jeunes de prévoir qui ils vont voir pendant plusieurs semaines, mais enfin, c'est presque une insulte à leur jeunesse. L'impact des mesures universelles sur les jeunes, ben c'est terrible, entre la fermeture, la limitation des activités extérieures, les fermetures d'auditoires, la fermeture de l'école, les restrictions de la bulle et les couvre-feux.
Écoutez-moi, franchement, je suis même étonnée que des événements comme il y a encore eu à Liège ne soient pas arrivés plus souvent. Et ce n'est pas du tout un appel hein, à ce genre d'événement, mais c'est juste que je pense que la jeunesse est au bord de l'explosion. Donc, attention, des mesures non discriminantes, elles sont plutôt apparemment universelles, mais elles sont d'une lourdeur pour certains. Alors, certaines catégories d'âge, en particulier les jeunes, pour certaines, elles ont un impact genré très certain. Et alors que dire des secteurs, les secteurs dont encore ce week-end, dont notamment le secteur culturel, là, excusez-moi, de nouveau, je n'ai pas l'impression qu'elles sont très universelles, les mesures, puisqu'il y a des secteurs qui n'ont même jamais réouvert depuis un an sur base d'une évaluation de leur caractère soi-disant non essentiel. Moi, je pense que c'est une fausse universalité que ces mesures-là, et pour répondre alors à Julie, moi, je ne pense pas que rien n'était, ne devait être fait. Ça, je ne pense pas. Mais par contre, je pense qu'on a été beaucoup trop loin et précisément, sans doute, comment dire, endormi par cette apparence d'universalité. On a laissé aller au casse-pipe toute une série de groupes de la société. J'oublie d'ailleurs les plus défavorisés, parce qu'encore une fausse universalité, l'impact pour les plus défavorisés est absolument catastrophique. Là, on le sait maintenant, les rapports sortent pour les personnes les plus vulnérables. Ce n'était déjà pas fameux en Belgique. C'est tout simplement une catastrophe. Donc, on s'est fait comment dire, attention à se laisser berner par cette apparence d'universalité qui n'est que de façade. Merci. Alors, je vais maintenant relayer des questions qui ont été posées. Il y a eu 3 questions, donc une pour chacun d'entre vous. Alors, il nous reste très peu de temps, mais si vous êtes d'accord, on peut déborder un petit peu du temps prévu, de quelques minutes prévues par la conférence. Donc, je vais les poser dans l'ordre. Il y a d'abord eu une question pour M. Alemano de Angélie Kuipers qui demande en anglais, je vais vous la dire en anglais puisqu'elle l'a posée en anglais. Would you say that the EU project is in danger by the increasing reliance on the reintroduction of border control within the Schengen area? Ça, c'est pour Monsieur, pour Alberto. Ensuite, pour Peggy Larieux, il y a une question de Feza Daraz qui demande « Est-ce que la recherche de la certitude chez une partie de la population, comme par exemple à travers les théories complotistes, découle de cette transparence voulue ?» Puisque vous avez beaucoup parlé de transparence, elle fait référence à cette notion. Et alors pour Anne-Emmanuelle, on vous demande si, selon vous, la multiplication de l'adoption d'arrêtés entraîne une lacune au niveau de la contestation de ceux-ci, notamment en raison des changements successifs de ces arrêtés, du contenu de ces arrêtés. Alors, on peut commencer par Alberto. Oui, tout à fait. Il faudrait essayer d'être bref. Hein. Oui, très bref, surtout parce que j'ai déjà dit que, d'après moi, Schengen était quelque chose du passé. C'est-à-dire que la libre circulation des personnes était déjà en crise avant le Covid. C'était systématique, les contrôles, lorsqu'on arrivait, par exemple, en France. Au début, c'était Marseille. Tous les avions étaient contrôlés. Ensuite, à Paris. Lorsqu'on passait la frontière aussi avec la Belgique, il y avait des contrôles, tout ça bien avant. C'était les moments attaques terroristes qui ont justifié la réintroduction des mesures en France, en Espagne, également au Danemark, en Suède. Mais évidemment, le Covid a rendu ces contrôles de facto permanents et devrait aujourd'hui soulever la question de savoir qu'est-ce qui va se passer avec Schengen, parce que le moment est venu de les réformer. Et quel type de réforme pourra être envisagée? Et entre-temps, nous avons les certificats. Ce n'est pas correct de l'appeler passeport. Ça va être un certificat qui va être proposé demain par la Commission européenne qui va justement créer une exigence à la frontière, là où les frontières n'existaient pas et là où les documents n'étaient même pas nécessaires. Vous savez qu'il n'y avait pas une obligation de montrer aucun document lorsqu'on passait une frontière. Évidemment, ça, ce n'est pas la priorité de notre classe politique. Il y a exactement un an, j'écris une tribune dans les Guardian qui était très nostalgique, qui était un peu désespérée en demandant de manière un peu rhétorique quels étaient les leaders politiques finalement qui représentaient les citoyens européens mobiles.
parce que les citoyens européens mobiles, finalement, sont les produits les plus tangibles de l'intégration européenne, sont exactement ceux que les pères fondateurs voulaient créer en créant cet espace, et ils sont les moins représentés politiquement, au point que seulement les 8% d'eux votent régulièrement dans le lieu de résidence, soit aux élections locales, soit aux élections européennes, ce qui est absolument formidable. Le manque de représentativité politique de la part des citoyens mobiles, on parle d'environ 25 millions de citoyens en Europe. C'est quand même énorme. Très court, fausse universalité, je suis d'accord, mais cette fausse universalité aurait pu être évitée par une approche plus discriminatoire, plus discriminant. Ça, c'était un peu l'argument. Donc, si on introduisait de manière claire des catégories en amont, on aurait pu éviter de dire « c'est universel », mais en fait, donner lieu à discrimination. Ça, c'était un peu l'idée. Évidemment, tout le monde pensait aux personnes âgées. Si on aurait protégé les personnes âgées par rapport aux autres personnes ou aux autres personnes vulnérables d'un point de vue santé publique, cela aurait pu réduire les discriminations, les inégalités qui sont produites et auxquelles tu faisais référence, Anne-Emmanuel. Ça, c'était un peu les propos. Peggy ? Alors, oui, je vais répondre assez rapidement. Oui, effectivement, il me semble que finalement, les anticipations n'ont pas manqué et continuent à ne pas manquer. On a les collapsologues, on a les rassuristes, on a les utopistes et on a aussi les complotistes. Et en fait, dans toutes ces façons d'envisager cette crise sanitaire, on retrouve, je crois, toujours cette même tendance à vouloir fuir la réalité avec tout ce qu'elle peut comporter d'incertitude. Donc oui, je pense que c'est un moyen de se rassurer qui va dans ce sens-là, vouloir réduire l'incertitude. Absolument. Merci pour la question. Merci. Anne-Emmanuelle ? Alors, oui, il y a un problème de juridictionnalisation ça, vis-à-vis de ces mesures Covid-19. Alors, pas tant parce qu'elles se succèdent, parce que, par exemple, le Conseil d'État a été saisi de dizaines et de dizaines de requêtes en extrême urgence. Et un des principes qu'il consacre et que je trouve intéressant pour éviter cette sous-juridictionnalisation, c'est que si vous attaquez un arrêté et qu'entre-temps il y a un nouvel arrêté, si le principe reste le même, vous n'êtes pas obligé de réintroduire une requête. Il commue, si vous voulez, tout de suite votre demande. Ceci étant dit, quand la règle change, eh bien c'est vrai que ça pose alors un problème de recours, et surtout quand elle change tout le temps. Et je pense que l'autre problème qu'il y a, c'est que comme on a fonctionné par arrêté, eh bien, la Cour constitutionnelle est tout à fait mise sur la touche jusqu'à présent. Or, bon an, mal an, on sait quand même que voilà, s'il y en a bien une qui est la gardienne de nos droits et libertés, c'est la Cour constitutionnelle. Mais donc, il y a un problème, c'est vrai, aussi de recours, en fait, dans cette crise-ci, parce que, de fait, comme les règles changent, même si ça a été partiellement compensé de la manière dont je l'ai expliqué, les plaideurs ne parviennent pas à suivre, ou plus exactement, ils s'adressent au Conseil d'État dans des contentieux d'extrême urgence qui sont des contentieux bizarres, vous voyez, où dans l'urgence, la juridiction se prononce prima facie. Alors là, c'est vraiment, je trouve, ces trucs qu'ont trouvé les juristes, me semble-t-il, pour dire qu'à la fois, ils se prononcent pas vraiment sur le fond, mais qu'ils se prononcent quand même. Et ça, c'est un contentieux, alors du coup, plus exigeant, plus sévère. Et donc, concrètement, dans les dizaines de requêtes qui ont été introduites devant le Conseil d'État, à peine moins de 5 ont été accueillis. Donc oui, je pense que ça va de pair aussi avec ce déclin du droit et cette perte de recours, alors de repères et de recours. Oui, c'est un marquant de cette crise aussi, et à laquelle de nouveau on devra réfléchir, ça c'est certain. Merci. On pourrait continuer encore pendant 2 heures, je pense. Moi, j'ai encore plein de questions à vous poser.
Mais il est temps de clôturer cette conférence. Je voudrais remercier chaleureusement nos trois intervenants pour le rapport très riche à ce débat important et remercier aussi ceux qui nous ont suivis en ligne. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Voilà, merci tout le monde. Merci. Merci à tous.